Je m'appelle Denis Perrin, je suis professeur de philosophie à l'Institut de philosophie de Grenoble et je co-dirige avec Céline Souchet l'axe Mémoire en réseau à la MSHM. Le premier, c'est mémoire, évidemment. Le deuxième, interdisciplinarité. Et le troisième est une expression, c'est du cognitif au social. Alors, mémoire en réseau, c'est d'abord une diversité de disciplines, puisqu'on rencontre dans l'axe la neuropsychologie cognitive, la psychologie sociale, la philosophie, l'histoire, la littérature et la linguistique. Et cette diversité ne veut pas dire que tous les membres de l'axe parlent de la même chose lorsqu'ils utilisent le mot mémoire. Et c'est un enjeu épistémologique de l'axe que de réfléchir à l'unité de la notion de mémoire. Cette interdisciplinarité, elle se reflète dans la variété des méthodes qui sont utilisées au sein de l'axe, puisqu'on rencontre des méthodes qui sont quantitatives et expérimentales, conceptuelles et argumentatives, aussi bien que de l'ordre de l'étude, de témoignages et de corpus. Plus précisément, quatre thèmes structurent les activités de l'axe. Le premier thème est celui de rapport entre la mémoire et le corps. Le deuxième thème est celui des erreurs de mémoire. Le troisième thème est celui de la métamémoire et le dernier thème est celui des rapports entre mémoire individuelle et mémoire collective. L'objectif est simple, la mémoire est un phénomène complexe et nous avons la conviction que pour couvrir cette complexité, il faut qu'il y ait une diversité de disciplines engagées dans le projet de construire une science unifiée de la mémoire. Mais évidemment, un questionnement épistémologique préalable est de savoir si cette théorie unifiée de la mémoire est possible. Et peut-être que l'un des résultats de nos travaux sera que nous ne voulons pas toutes et tous dire la même chose par la mémoire. Et par conséquent, il faut renoncer au projet d'une science unifiée de la mémoire, mais la vérité avant tout. Elles sont diverses, mais on peut en relever trois principales. La première est une préoccupation de santé. Les activités au sein de l'axe visent à avoir des retombées en santé. Je pense notamment à ce qu'on fait au sujet de la métamémoire. La deuxième préoccupation évidente est une préoccupation de recherche fondamentale, puisque nous cherchons à comprendre en quoi consiste la mémoire, comment elle fonctionne. Et la dernière préoccupation est une préoccupation stratégique. Les gens qui ont initié l'axe Mémoire en réseau sont convaincus qu'il existe une communauté grenobloise forte sur la mémoire et par conséquent l'axe cherche à promouvoir et à rendre visible cette communauté de recherche. Neuf unités de recherche sont engagées dans l'axe avec des profils disciplinaires très différents et je pense que c'est une très belle réussite.